quelques mots pour cette pièce très brève de Copland, qui est certainement la pièce la plus célèbre de Copland, la Fanfare for the Common Man, ou autrement dit la fanfare pour tout le monde, ou pour le commun des mortels. Une petite histoire qui résonnera peut-être différemment ce mois-ci, puisque on était au courant des événements de la semaine passée, lorsqu'on a programmé cette fanfare. Elle a été commandée par Gossin, c'était un chef français, mais qui travaillait aux États-Unis à l'époque, pour ouvrir la saison de concert qui a suivi l'attaque de Pearl Harbor. Il a commandé à 18 compositeurs américains une fanfare vengeresse. Il l'appelait vengeresse, et Copland a refusé d'écrire une fanfare vengeresse. Il a refusé une fanfare aux soldats, il a refusé une fanfare aux morts. Il a refusé tout ce qui pouvait avoir un trait à la guerre. Il a voulu une fanfare pacifique, et ironie du sort, ou comble du sort, mais c'est la seule des 18 fanfares qui reste encore au répertoire. Toutes les autres sont perdues, n'ont plus jamais été rejouées. Fanfare pour le commun des mortels, Aaron Copland. Le bar est situé au foyer du théâtre, au premier étage.